On ne peut pas, en fait, travailler dans un contexte d'hygiène alimentaire sans avoir justement une consommation d'eau assez importante. هي كانت مشماش والله شيء غريب تلقيه من الحلاوه نتاعو الماء حلو ما وقت عندنا الماء الحلو ملح حلو كل عسل احلى من صابرين مش حاجه من قله الماء قلعوا واحمي بيه الطابونه تشوف الدار هذه هاي زاد الدار هذه زاد قاعده خاليه زاد مالها دبت هاو يخزر الحال نتاعها كيفاش كانت معناها منطقه حيه خلاص 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 وفجأة نلقوا رواحنا نعوموا في بحر نتاع ملح كان نقبنا 100 متر وكان الماء مالح هاو نمشي نوريك السلاطيج هاو نوصل دار غاديك هاو نوصل دار غاديك كله مالح هذايا سي عبد الرزاق هذايا كان فهمتني كان يخضروا العام ما قلش 14 15 مليون هاو تو عنده 3 سنين ما هز منه شيء يوم 5 سنين تو 5 سنين ما عشتش وصل ما عشتش ما عشتش ولد. En termes de sécurité alimentaire, en fait, on a déjà parlé de 4 piliers. En fait, les 4 piliers sont l'accès, la disponibilité, l'utilisation et la stabilité. En fait, en matière de stabilité, si aujourd'hui on voit le conflit ukrainien, c'est très difficile d'avoir une stabilité dans nos produits pour approvisionnement des citoyens. Alors tout ceci n'est pas seulement dû à la guerre qui vient d'être déclarée. Non, en fait, le changement climatique, la fertilité du sol, la dégradation justement du sol, aussi l'aridité du sol et tout ce qui provient justement du changement climatique comme les inondations ou la nappe phréatique qui est en train de diminuer ou encore cette situation d'épisode de canicule ou d'épisode de grande pluie qui fait qu'en fait les récoltes sont très touchées. من عام 2012 سايي ما عادش فهمت مكفي الماء كونش لا كان نخدموا نطلعوا مش نشربوا ولا نسقوا بقره ولا نسقوا نعجه. يا حسره كنا قبل عايشين على القمح والشعير، وين القمح والشعير؟ ولا ناكلوا في المقرونه والدويده ما فهمتش والدجاج الابيض. هذاك كيفاش حشاك تكونت المراه. Je pense qu'en fait la Tunisie n'a pas eu de pénurie de produits alimentaires, mais en fait vous regardez bien aujourd'hui avec la spéculation sur les produits de base comme le sucre, la farine, l'huile, il y a une spéculation telle que en fait le Tunisien se retrouve sans produits de base qui sont très importants pour, justement pour son énergie. الله يصدقيني انا ذكر قولك هذايا البارح بركه ولدي هذايا يقرا في الليسي في سبيخ قال لي يا بابا قداش عندك ما جبت لناش حوت قلت له وليدي راني مشيت للحوت راني نتفرج ومشيت النهار الاثنين الاخرين قلت له راني نتفرج وخرجت هذه نعطيك وصدقيني البارح بركه مش عام الاول ومتاع الاول عايشين كنا مثلا قبل ديما نذبحوا هنا ونعملوا ناكل القسميه نتاع اللحم بطلنا تو كانت دجاج البريمه دجاج ابيض ولا كل الشكشوكه ولا كل المقرونه كيكه كما جاب ربي يحط فيها شويه حمص وكو وكول. Vous regardez bien qu'en fait tout a augmenté pratiquement sur le marché. Si on comparait en fait les prix de 2015, des rapports de l'INS de 2015 vers 2020 par exemple, on voit que les fruits sont pratiquement inaccessibles. Ils ont augmenté à 135%. Les légumes aussi. Alors aujourd'hui on conseille aux gens de consommer 4-5 légumes et fruits, mais ils sont inaccessibles. La population, les citoyens, n'a pas l'accès à ces aliments-là. Que dire de la viande, du poisson, en fait, ou des protéines considérées comme protéines nobles et qui sont très importantes pour justement, alors, peut-être traiter l'anémie et en même temps subvenir aux besoins de la population. هاك تشوف له السميد مخبي الفرينه ما فماش الامور الكل محتكره يعني هالوضع الغذائي اللي كان قبل كنا نحن نستمد فيه من الطبيعه نحن نزرع القمح نسقيه نحذ وناكل منه ونبيع منه وتاكل منه الناس الكل مش ني انا برك باش ناكل منه الخضار راني موجوده الساعه على هالي هنا كلهم ياخذوا بلاش ياكلوا بلاش فهمت هذه أزمة في منطقة الوسائط أزمة وزادت عليها البيئة. Pourquoi voulez-vous importer
80% du blé tendre, alors qu'on a le blé dur. Le blé dur, c'est pour la semoule, et le blé tendre, c'est pour la farine. La farine aussi, c'est un produit très sucré, très énergétique pour la fabrication du pain. Et le pain subventionné, il est de mauvaise qualité. Il est très, il n'est pas bien cuit, il est très salé. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une orientation vers une bonne consommation à travers justement une bonne éducation nutritionnelle pour le citoyen, pour éviter de consommer justement des produits très énergétiques comme le pain, parce que une personne sur deux est en surpoids en Tunisie. Pour le sel, alors il y a 19% qui sont en hypertension, 15% des personnes sont aussi diabétiques. Et là, vous voyez, tout peut se résoudre autour d'une consommation orientée vers une bonne nutrition et pour la promotion d'une alimentation saine, équilibrée et diversifiée. J'ai une femme qui a été en train de se faire dans l'hôpital. J'ai une femme qui a été en sucre. Sucre et dame. J'ai une femme qui a été en 88 ans. Elle a été en train de se faire dans l'hôpital. Plein de stratégies justement de tout ce qui est maladies non transmissibles. Vous savez, ces maladies-là, elles peuvent coûter très cher au pays et elles tuent pratiquement 82%. Elle est responsable de 82% des décès en Tunisie. Vous voyez, les maladies non transmissibles, en fait, c'est tout ce qui est diabète, hypertension, tout ce qui est maladies cardiovasculaires, les AVC, les infarctus, tout ça. الدولة اللي تسلم في ما يمشي بحر ما تعكرش عليه، احنا قبل كان يجينا الماء من الزير، احنا صغار نقروا، تجي تخزن العجاج، وفما المطر لحد شيء، يجي واد زرود واد مرق الليل الدنيا مغطيها من الزير، تو الزير سايب القطرة ما، الدولة تحب تحافظ على روحها، تو حرب نتاع ما جاي، ما سايبوش يمشي للبحر.